La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour, bienvenue dans Marc Page, plaisir de vous accueillir pour parler du secret du Rocher Noir aujourd'hui, œuvre de Joe Todd Stanton. On va en parler avec Germain Junot de Payot Libraire. Bonjour Germain. Bonjour. Alors, ce Rocher Noir, il est dangereux puisqu'il fracasse tous les bateaux. Oui, il effraie un peu toute la population côtière d'un petit village. Il excite beaucoup les imaginations, mais on ne le connaît pas en fait. Mais grâce à une petite fille curieuse qui s'appelle Erin, dont la maman est pêcheuse, on va le découvrir. Elle va réussir à se faufiler sur le bateau de sa maman, sans se faire repérer par le chien de la famille qui l'empêche toujours d'entrer, je pense par esprit de protection. Mais voilà qu'il y a un drame qui se noue. La petite Erin va tomber dans l'eau. Et où est-ce qu'elle va tomber dans l'eau? Près du Rocher Noir. Et c'est là que commence vraiment le début de l'émerveillement pour le lecteur et la petite Erin. Il y a une part de courage, il y a une part de curiosité chez ce personnage d'Erin. Comment on pourrait la définir? Un mélange des deux. Elle a le courage de l'enfance, en fait. Elle n'a pas peur de l'inconnu. Et puis, surtout, la curiosité est la plus forte. Et c'est une bonne chose parce que je ne veux pas dévoiler exactement le secret du Rocher Noir, mais elle va amener en fait toute la population du village à découvrir un autre rapport à l'océan et surtout aux merveilles qu'il abrite. Un secret doit rester un secret. Merci Germain Junot d'avoir été avec nous. C'est un album jeunesse qu'on vous conseille donc aujourd'hui pour les petits, pour les grands, pour toute la famille. Le secret du Rocher Noir de Joe Todd Stanton. Voilà, merci d'avoir été avec nous et rendez-vous sur latélé.ch pour avoir d'autres conseils littéraires. À très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc Page.